Pendant 3 mois, je me suis rendu au même endroit aussi souvent que possible pour tester ce qui suit. L'endroit en question s'appelle la plage des Mille Pins et se trouve à Santa Barbara, en Californie. L'élévation de l'endroit où je me trouve est de 23 mètres, y compris la hauteur du tripode, qui est d'1,50 m. Je vais prendre comme repère 3 plateformes pétrolières situées à une distance maximum de 40 km dans le canal. La plus proche est Habitat, distante de 16 km, son hélipad à une élévation de 27 mètres. La plateforme du milieu est Grasse, distante de 32 km, son hélipad est lui à 37 mètres de hauteur. La plus éloignée est Gaël, distante de 40 km. Voici Gaël, derrière l'horizon, à 40 km de distance. Voici Habitat, à 16 km de distance. Et voici sur la droite, Grasse, distante de 32 km. Pendant ces 3 mois, Grasse et Gaël étaient presque tous les jours sous la ligne d'horizon de l'océan. Voici une vue de la plateforme Grasse depuis une élévation de 53 mètres. Comparons avec ce que je vois depuis une élévation de 23 mètres, c'est-à-dire la photo du bas. La photo du haut représente une élévation de 53 mètres, la photo du bas, une élévation de 23 mètres. Un autre jour, exactement au même endroit, exactement à la même élévation. Le trait bleu correspond à la ligne d'horizon observée les jours précédents, avec Habitat au premier plan et Grasse au second plan. On voit clairement la base de la plateforme Grasse sur la photo de droite, comparée à la photo de gauche, prise, je le rappelle, les jours précédents. On constate aussi que sa hauteur a doublé. Concernant la plateforme Gaël, la plus éloignée, sur la photo de droite, elle apparaît plus haute sur l'horizon que sur la photo de gauche. Le trait rouge vous aide à le voir plus précisément. Une erreur s'est glissée dans le titre du haut, il faut comprendre Gaël à la place de Grasse.
la plateforme Grèce à droite apparaît également nettement plus haute sur l'horizon. Merci de votre attention.